Anti quoi l'équipe? Ça va ou quoi? Les gars, dites-vous bien, depuis 21h j'étais censé tourner. Frérot, il est quelle heure là? Il est 23h30, 33 précisément. J'ai mangé, je me suis endormi dans mon lit, c'est bon ou pas? Frérot, j'avais besoin de sommeil aussi. En vrai, tranquille, y a pas d'heure pour tourner une vidéo. Allez, plus sérieusement les gars, aujourd'hui, j'ai demandé à mon frérot Zebrolos, hein, youtubeur vous connaissez aussi, de m'envoyer des TikTok what the fuck pour que tous ensemble on regarde un peu ce que ça donne. Avant de commencer la vidéo les gars, donnez des idées avec Zebrolos, on pourrait faire ensemble pour ma chaîne comme pour sa chaîne. Et comme ça, ça va tourner des grosses vidéos. Si tu veux, j'ai une idée de vidéo. Vas-y, dis-moi un peu ton idée de vidéo là. Le premier qui fait 10 pompes, il a gagné. Vas-y, dégage de là aussi toi. Non, vraiment les amis, sans plus tarder, on va commencer directement avec 9 petits TikTok complètement what the fuck man. J'espère qu'ils vont être là en vrai. Du coup, on y go, sans plus tarder. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, d'activer la petite cloche des notifications, super important. De t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous lance directement le jingle. C'est parti. Encore merci mon frérot Zebrolos de m'avoir envoyé des TikTok. Ce que j'ai demandé à Léo, mais Léo il est en vacances, du coup il a pas de connexion. Type blaireau va. Mais ferme, mais c'est... Mais gros, ça nique carrément les oreilles. Mais c'est quoi ce délire gros? Quelle est l'utilité de cette vidéo déjà? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il fait une tête comme ça frérot? Frérot, du cam, pourquoi tu fais ça? Mais du coup, c'est quoi l'utilité? À la fin, un chien. Bonsoir, moi c'est Nicolas. Dites-moi l'utilité, s'il vous plaît. Putain, mais ça m'a niqué les oreilles, mais je savais pas que le son il était aussi fort aussi là. Espèce de fils. Captap stem d'un salope, t'es boissouka. Théo, t'es midi départ Paris, n'est mais frérot, tu peux pas mettre un peu plus de voix? Mais Florent Pagny se retourne directement, mon gars. Ce truc qui me dégoûte, y a rien à dire sur ça. C'est dégueulasse frérot. Inutile cette vidéo. Inutile. Putain pour le coup Zebrolos, tu m'as vraiment envoyé des vidéos de fou malade frérot. Ah ouais ça monte et tout. Ah ouais. Non. Mais gros, pourquoi faire ça? T'avais géré au départ, c'était bien parti. Mais à la fin, c'est mal fini. Attends, j'ai envie de revoir sa chute là. Au départ, je pensais que c'était les étagères qui allaient tomber. Parce que vrai, je le voyais mal. Mais comment ça, tu peux louper la table, gros? C'est impossible de louper la table. En plus, il prend son sac easy, genre tout le monde m'a vu. J'ai rien vu, moi. Mais ça, c'était ma phobie au lycée. Je vous ai jamais raconté l'histoire. Une fois, j'étais tout simplement en train d'aller en cours. Je commençais à 8h. Sauf qu'il neigeait et il gelait en même temps. Et il se trouve que tous les élèves, ils attendaient, genre devant le lycée, enfin devant la porte d'entrée. Et sauf que moi, j'aimais pas aller avec tout le monde pour attendre que le lycée l'ouvre. Du coup, je suis allé dans un endroit qui, on voit le lycée de loin. Mais en fait, le sol, c'est pas du béton, c'est carrément du bois. Et moi, comme j'avais la tête dans le cul et tout ça, je suis arrivé tout simplement, mon gars. J'étais avec mon téléphone portable. Frérot, devinez ce qui s'est passé. Je me suis rétaler la gueule par terre. De loin, on a entendu un gros boum comme ça. Devant le lycée, du coup, il y avait des élèves, comme je le disais tout à l'heure. Leur regard vers la porte d'entrée du lycée a totalement changé. Regarde comment il s'est cassé la gueule. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai rechangé d'endroit. Là, j'aurais dû faire le mort. Et je suis rentré quand tous les élèves sont rentrés dans le lycée, frérot. Parce que là, c'était impossible pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Non, gâche pas tout sur ça. Ça me tue la réaction de sa meuf derrière. Pourquoi il a pas fait tout simplement le tour pour mettre le gobelet? Avec son échelle, ça aurait été plus simple. Ça doit quand même faire du bien de sauter dans des gobelets, non? C'est comme si tu sautais dans l'eau, non? La réaction du mec, elle me tue. Il a vraiment dû se défoncer le coude. Il a l'air d'avoir vraiment mal. Et puis sa meuf, elle arrive comme ça, tout doucement, mon gars. Avec son iPhone, mon gars. C'est bien, bébé, je suis fier de toi. Y'a pas à faire ça, frérot. Va aider ton mec. C'est leur baraque ou c'est comment, là? Parce que. Ah, vrai, ça peut inviter directement. On peut taper des petites soirées ensemble, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Il shoot the gym down. Il va l'humilier. Il va l'humilier le garçon. Pardon, pardon, mais c'est même plus de l'humiliation. C'est de la violation là. C'est quoi ce shoot de fou? Le frérot il a géré là. Je dis frérot comme si je le connaissais. Bah en fait c'est mon cousin. Par contre on en parle du mec là juste ici. Comment il a dû danser frérot? Il a dû faire du breakdance. Hop, hop, et allez. Mais en plus il saute dans le vide, c'est ça le pire. Par contre l'équipe adverse gros ils en ont rien à branler. Ils l'ont vu sauter, ils ont fait bon allez les gars, on se casse. On se casse les gars, c'est bon c'est fini. Fin du match les gars, on a gagné, super. Attends mais frérot, pourquoi il tire? Mais le téléphone là il est... What the fuck? Mais frérot c'est plus un téléphone là, c'est... C'est un tuyau carrément, mais c'est quoi ce bordel? Mais gros y'a aucun sens dans la vidéo. C'est qui lui? C'est qui lui? Pourquoi il est là avec son masque là? On le connaît même pas. C'est quoi ce délire? Je comprends rien du tout, mais je comprends pas du tout les gars.
What the fuck? C'est quoi cette manière de mettre du savon? Le mec, il a quand même hésité avant de toucher le truc. On sait jamais si c'est une capote ou un truc comme ça. En vrai, j'avoue que c'est super stressant. C'est pas comme ça les trucs à savon normalement dans les toilettes. C'est comme s'il y a un invité chez moi et ça se passe comme ça. Excuse-moi frérot. Ouais gros, tu pourrais me dire où sont les toilettes chez toi s'il te plaît? Juste là-bas à droite frérot. Par contre, tu dois faire pipi ou caca, parce que si tu dois faire caca, je te mets une bouteille d'eau frérot, parce qu'il y a plus de PQ. Tu prends la bouteille d'eau, tu te nettoies le cul avec la bouteille d'eau. Ah frérot, c'est ça. Bon les gars, nous on va s'arrêter là. En vrai, est-ce que vous avez kiffé ce petit genre de vidéo là? Il y avait des vidéos qui étaient pas mal, mais il y en a qui étaient complètement stupides hein. En même temps, c'était le but de la vidéo. En tout cas les petits potes, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. D'activer la petite cloche des notifications, je le répète. De vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça fera toujours plaisir. Puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Vous êtes les boss, à plus.